Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour The Legend of Zelda Echoes of Wisdom sur Switch. Et je voulais vous montrer vite fait les bonus de précommande de la version Switch, si j'arrive à... De la version Switch, n'importe quoi. Les bonus de précommande de la Fnac. Si j'arrive à ouvrir ça. Excusez-moi, j'aurais dû le faire avant. Donc on a un porte-clés, un petit porte-clés avec l'arrière gravé, attendez, hop, je vais essayer de vous le montrer, et avec l'arrière, avec les reflets, je sais pas si on va vraiment voir, l'arrière est gravé, et comment on peut dire, sérigraphié peut-être, et il y avait une pochette pour la Switch Lite, donc voilà, c'est les bonus de précommande. De la version... de la version, moi. De Fnac, pardon. Si vous achetez le jeu, voilà. Donc, on va se retrouver tout de suite pour une découverte. Je vous dis à tout de suite. Et bonjour à toutes et à tous. Du coup, après cette petite intro, on se retrouve directement sur le jeu. Donc, on est sur Switch, évidemment. J'ai pas besoin de le préciser. Vous l'avez vu dans l'intro. Puis, de toute façon, vous vous doutez bien qu'à Zelda, on est sur Switch. Donc, on commence direct. Il y a eu une toute petite cinématique... au départ, mais rien de bien, bien important. Ok. Bon, c'est pas mal. Bon, là, on commence avec plein d'armes, plein de cœurs et tout. On se doute bien que c'est juste l'intro et que ça va pas durer comme ça, étant donné que... Attendez, je regarde la capture. Étant donné qu'en plus, dans le jeu, on est censé jouer Zelda et que c'est la particularité du jeu... Pour une fois, on va pas jouer Link. En tout cas, en termes de gameplay, c'est assez... Ça ressemble aux anciens Zelda un peu, mais... Beaucoup plus fluide en termes de déplacement et tout, donc... Donc c'est pas mal. Hop. Sachez aussi que j'ai été, faut que je vois encore avec eux, mais j'ai été recontacté par le studio qui m'avait envoyé Hotlape Racing, c'était, oui, sur la Switch. Ils m'ont contacté pour un autre jeu. Donc je suis en train de voir avec eux ce que c'est exactement comme jeu et tout. C'est sur PS5, on m'a proposé, mais il m'a parlé genre d'une réédition ou je sais pas quoi. Donc est-ce que c'est un jeu qui était déjà sorti sur une autre plateforme et qui ressort là, je ne sais pas, j'ai demandé des précisions. Mais il se peut que la semaine prochaine... vous ayez une vidéo sur un jeu encore qu'on va m'envoyer. Ça fait plutôt plaisir. Ce qui est bien, c'est qu'on peut bouger la caméra. C'est pas mal. J'allais dire, là, on sait tous ce qui va se passer, hein. Attendez, j'ai un arc aussi. Ah, merde. Ah, c'est assez dynamique, j'aime bien pour l'instant. Après, ce sera sûrement pas comme ça dès le début. Une fois qu'on aura passé cette intro. Parce qu'on sera pas équipé comme ça dès le départ, on n'aura pas autant de cœur, on sera pas cheaté comme ça, c'est sûr. On peut cibler, ok. Ok. On peut cibler avec... Par contre, c'était la même touche que le bouclier. Hop. Pour l'instant, il n'y a rien dans les fleurs. Dans les herbes, je veux dire. Ouf. Heureusement, je l'ai eu en plein vol parce que... Elle me fonçait bien dessus. Hop. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là pour dire que ça sent quand même un peu la fin de la Switch, non? Tous ces jeux qui arrivent, le gros Mario Party, tout ça qui arrive là. Je pense qu'on est tous d'accord, les rumeurs de plus en plus persistantes sur une sortie d'une Switch 2, même si Nintendo n'a rien annoncé. C'est pour ça que je vous fais pas de vidéo, moi, parce que tant que c'est que des rumeurs...
Il y a trop de mecs qui font déjà que ça, des vidéos pour commenter des rumeurs en vous donnant ça comme si c'était des infos. Moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Mais il y a quand même déjà, enfin, il y a quand même beaucoup de rumeurs de plus en plus persistantes avec des trucs, des infos de plus en plus précises. Donc, et puis quand on voit bah, les jeux qui sortent là sur cette fin d'année, sur la Switch, je pense qu'ils sont en train de déballer tout ce qui leur reste dans les cartons. Et qu'il va falloir se préparer à une annonce à un moment donné quand même. Et ce serait pas mal parce que moi je le dis depuis un moment, la Switch là ça commence à être. Alors ça n'a, elle a jamais été faite pour être un monstre de puissance, on est bien d'accord. Mais là, ça commence à être vraiment compliqué, quoi. On l'a vu même quand on a fait la vidéo de Hotlay Pricing, même si c'est un petit studio, ils n'ont pas de moyens, hein, voilà. Mais c'était compliqué quand même, hein. C'est pas fluide et tout, alors que le jeu n'est pas non plus une claque visuelle. Il y a plein de jeux comme ça. Hein. Toujours aussi obstiné, bah ouais. Cette fois-ci, il se trouve que ça m'arrange. Je vais me débarrasser de vous deux en même temps. Et là, mon gars. Il est armé, ce con. Oh merde. Ah, oh la vache, oui. Double esquive. Il est un peu en colère. Mon bouclier. Est-ce que je peux l'arrêter comme ça? Ouais, je peux l'arrêter comme ça. Vous allez me dire, on a un bouclier. C'est certainement pas pour rien. Là, j'ai complètement. Oublié d'esquiver, mais c'est pas grave. Ah, il m'a déjà remarqué, j'ai dit c'est pas grave, mais. Il m'a niqué la moitié de mes cœurs déjà, quand même. On va essayer d'être moins mauvais, hein, quand même, ce serait pas mal. Combien de fois il faut que. Oh là, j'ai complètement loupé. Ah, putain. Ah, j'allais dire combien de fois faut que je fasse ça. Et là, je l'ai mis en colère un peu. Encore. Par contre, j'ai beaucoup de mal à le viser avec. Hop, je l'ai eu. Ah bon, on peut le toucher pendant qu'il prépare sa boule. Merde, je fais pas dans le bon timing. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'appuie sur la touche de l'arc, on lâche le bouclier. Wow. Petit salopard. Et voilà. Finito. Ça pique, hein? Mais ouais, fallait pas chercher la merde.
Par contre, quand les mecs sont battus et rigolent comme ça, c'est jamais bon signe. C'est à moi de le faire là, d'accord. Et voilà. Examiner. La capuche de l'épéiste. Cette capuche laissée par l'épéiste. Tout de vert vêtu peut dissimuler votre visage quand vous la portez. Ok. Oh bordel. Il faut courir, hein. Il faut courir, il faut courir. Oh la vache, ça me rattrape. Hein. Après, je pense que c'est un peu scripté aussi pour me rattraper à un moment. Oula. Bon, on va essayer de ne pas se faire choper dès le début quand même et. Et de réussir à faire quelque chose. J'allais vous dire, ça y est, je vais crever dès le début. Mais non, c'est bon. C'était fait exprès. Ça a l'air assez grand quand même, hein. Si ça, c'est la zone de jeu. C'est pas mal. J'essaierai de renforcer un peu le. Baisser un peu la luminosité, de renforcer un petit peu le contraste quand je ferai le rendu. Parce que là, je vois la capture, ça me paraît un tout petit peu. Un tout petit peu blanc. Après, en même temps, j'ai d'un côté, j'ai un écran OLED et de l'autre, j'ai un LCD classique sur le PC. Donc, ça donne pas la même chose. Mais. Ça me paraît un peu. Un petit peu blanc. Je corrigerai ça après. Bon, on a fini l'intro du coup. On va continuer un peu, on va pas s'arrêter là. Hein. La saloperie là est en train de se développer quand même. Les déesses Walway, vous êtes en vie. Vous n'êtes pas blessé. Ces 7 jours où vous avez été enlevé ont été un véritable cauchemar pour nous. Les soldats vous ont cherché jour et nuit sans succès. Nous craignions que vous soyez volatilisé. Princesse, princesse, tu veux bien jouer avec moi, dis? Il y a une énorme faille ici, mais le principal, c'est que vous soyez revenu. Votre Altesse, permettez-moi de vous souhaiter un bon retour parmi nous, moi aussi. Puis-je vous suggérer de vous rendre sans délai auprès de Sa Majesté le Roi d'Hyrule. Il sera sans nul doute ravi d'apprendre que vous êtes revenu sain et sauf. Citadelle d'Hyrule. Ben ouais, on va y aller. Ah oui, là, il y a une faille, effectivement. On va aller voir ça après. J'espère que la capture va bien y aller. Normalement, il n'y a pas de raison.
Votre Altesse, je suis heureuse de vous voir de retour. Je fais pas les voix spécifiques, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Moi, Impa, votre dévouée servante, je n'ai jamais autant maudit mon impuissance qu'après votre enlèvement. Des failles se sont ouvertes ça et là, mais l'inquiétude a gagné. Et l'inquiétude a gagné la citadelle. Mais je suis certaine que votre retour mettra du baume au cœur de la population. J'avoue néanmoins que même si je n'ai jamais douté de votre adresse, je ne pensais pas que vous reviendriez par vos propres moyens. Oh, pardonnez-moi, je suis si heureuse de votre retour que ces mots m'ont échappé. Hâtez-vous, Sa Majesté le Roi d'Hyrule vous attend. De mon côté, je vais vous faire couler un bon bain chaud. Bonne idée. Je suis là. On dirait le Père Noël, un peu. Votre Altesse, vous êtes vivante. Votre Altesse, vous n'imaginez pas à quel point votre retour nous emplit tous de joie. Toutefois, j'ai si honte que nous n'ayons rien pu faire pour vous retrouver après votre enlèvement. La ministre Sénès a raison. Nous sommes profondément désolés de ne pas avoir pu vous porter secours. Général Dex, ministre Sénès. En tant que père, je suis touché par votre sollicitude, mais pour l'heure, réjouissons-nous du retour de ma fille. Ma chère Zelda, je vous félicite d'être revenue parmi nous. Approchez-vous que je puisse admirer votre visage. Je suis si soulagé, c'est bien vous, vous êtes saine et sauve. Mais dites-nous, Zelda, que vous est-il arrivé? Vous avez été emprisonné par un monstre bleu jusqu'à ce qu'un épéiste vêtu d'un habit vert vienne à votre secours. Mais après avoir vaincu le monstre, l'épéiste a été englouti dans une faille. Cet épéiste vous a donc sauvé la vie. S'il s'est fait engloutir par la faille, nous n'avons d'autre choix que de le considérer comme volatilisé lui aussi. En effet, j'espère qu'il est toujours en vie. Volatilisé, vous voulez dire, comme tous ces pauvres gens qui ont disparu à travers le royaume? Tout à fait. Le phénomène n'épargne aucune région de notre beau pays. Depuis fort longtemps déjà, les failles s'ouvrent dans le royaume et emportent de jeunes enfants. Nous tâchons bien sûr de nous en prémunir, mais lorsque cela arrive, nous disons d'eux qu'ils se sont volatilisés. Ceux qui ont perdu des êtres chers n'ont alors que leurs yeux pour pleurer. Malheureusement, ces derniers temps, les cas de volatilisation se sont multipliés partout dans le royaume. De plus, les victimes ne sont plus seulement des enfants, beaucoup d'adultes se volatilisent aussi. Quelle peut bien en être la cause? Quelle qu'elle soit, nous devons impérativement retrouver cet épéiste vêtu de vert et le plus tôt serait le mieux. Votre Majesté! Il arrive en gueulant. Qu'y a-t-il? Vite, parle! C'est terrible. Nous avons reçu des rapports d'incidents causés par des failles dans plusieurs endroits. Comment? Saurais-tu nous en dire davantage? En fait, ça continue, je vais finir par faire les voix. Hein. Je sais que je vais craquer un moment. Oui, votre majesté. Oh, attendez. Je vais me placer autrement. Oh. Je vais craquer à un moment, c'est sûr. Les Porky Pig. Quelqu'un aurait disparu après avoir été englouti par une faille, pardon, du côté du village du sud. On nous a aussi rapporté que des monstres noirs attaquaient les passants sur la plaine d'Hyrule. Voilà qui est terrible. Merci pour ce rapport. Va dire à tous les soldats de se préparer au départ. À vos ordres. Général Dex, ministre Sénès. Votre Majesté, ministre Sénès, continuez d'enquêter au sujet des failles. Trouvez un moyen de venir en aide aux malheureux qui se sont fait engloutir. Tout de suite, Votre Majesté. Général Dex, occupez-vous des monstres. Préparez-vous à mener les troupes au combat. À vos ordres. Notre royaume est en crise, je compte sur vous. Pour faire toute la lumière sur ces failles et pour retrouver nos sujets disparus. Je suis désolé, ça me gratte le pied depuis tout à l'heure. Je me suis fait piquer par un truc. Merde, eux aussi ont disparu. Des Porco Pig. Merde, c'est eux, mais
En porc-au-pig, en pas gentil. Garde. Jetez-la au cachot. La princesse au cachot? C'est ma fille Zelda qui a ouvert cette faille. Nous ne pouvons pas laisser en liberté la dépositaire d'un aussi dangereux pouvoir. J'ai moi-même du mal à y croire, mais le général Dex et la ministre Sénès ici présents peuvent témoigner de sa culpabilité. Ne restez pas planté là, dépêchez-vous de l'emprisonner. À vos ordres. Elle doit pas comprendre ce qui se passe, la pauvre. Hein. Pourquoi devons-nous enfermer son Altesse? Qu'est-ce que sa majesté peut bien avoir en tête? Tu n'es pas au courant, apparemment ce serait la princesse qui aurait ouvert la faille dans la salle du trône. Quoi, tu plaisantes? Mais alors, est-ce qu'elle est aussi responsable des autres failles qui s'ouvrent un peu partout? Il paraît qu'elles ne disparaîtront pas tant que la princesse est en vie. Sa majesté envisagerait même de la faire exécuter pour protéger le royaume. Je n'arrive pas à croire que son Altesse ait pu faire une chose pareille. Parce que j'ai rien fait, bande de trop ducs. Et du coup, on est d'accord que normalement j'avais encore la cape là pour me dissimuler. Tu peux me voir? Je m'appelle Tri. Moi aussi, je m'étais fait capturer par ce monstre bleu. Je t'ai observé pendant tout ce temps. Je t'ai également suivi jusqu'à ce château. Oh, mais j'y pense. Je ne connais toujours pas ton nom. Zelda, c'est noté. Tu sais, Zelda, tu cours un grand danger en restant ici. La personne qui t'a fait enfermer, c'est le roi, c'est ça? Eh bien, il a ordonné de préparer ton exécution au plus vite. Dès que j'ai entendu ça, je me suis dit que je devais te prévenir. En fait, le roi et les deux autres ont été engloutis par la faille. Ceux que tu as vus en ressortir sont, comment dire, hein, des trouducs, on peut le dire, des imposteurs. Je vois, c'est ça, le mot alors. Toi aussi, tu t'en étais rendu compte. Zelda, tu ne peux pas rester ici, c'est beaucoup trop dangereux. Eh oui, mais je suis sûr qu'on pourra faire éclater la vérité si on arrive à sauver les personnes qui se sont fait engloutir par la faille. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas en ressortir par leurs propres moyens. Il faut qu'on aille les sauver ensemble, Zelda. Mais d'abord, c'est toi qu'il faut sauver. Sortons d'ici. Bah, moi, je veux bien. Hein. Allez, allons-y. C'est parti, les amis. Tu ne peux pas passer à travers les barreaux? Bah, non. Non, non, pas trop. Dans ce cas, je vais te prêter mon pouvoir. Ah, ça, c'est bien, ça. Transmutation du pouvoir. Je raconte vraiment de la merde. Par contre, je me trompe toujours de bouton. Sur la Switch, vu que tous les boutons sont inversés par rapport au Xbox, ou voilà, je me trompe toujours de bouton. Un sceptre mystérieux de la même couleur que Tri, il s'en dégage une douce chaleur. Je peux créer des copies de choses qui se trouvent dans ce monde. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je suis sûr que ce sceptre te sera utile. Approche-toi de ce qui brille, appuie sur ZR. Vous avez mémorisé la table, ok. Tu peux reproduire tout ce que tu as mémorisé en appuyant sur Y. Là, voilà, c'est bien, mais... Mes camarades et moi, on appelle ça la reproduction d'une chose mémorisée, un écho. Si tu veux effacer un écho, approche temps et appuie sur ZR. Pour effacer tous les échos, appuie longuement sur ZR. Ok. Bon là, il nous redit... Et là, je peux en refaire un. Genre comme ça. Et ouais, maintenant, tu vas pouvoir t'évader. Allons-y. Ouais, mais...
Va sûrement y avoir des gardes à un moment. Ça, c'était comme pour entrer dans Zelda Ocarina of Time, le meilleur du monde, hein, bien sûr. Pour entrer dans le château, justement, d'Hyrule, pour aller voir la princesse pour la première fois. Pareil, il y avait un truc un peu comme ça à faire. Est-ce qu'on peut faire ça? Eh oui, on peut. Ok, rigolo. Donc là après. Et je choisis comme ça. Ok. Donc là, faut certainement que je remette une caisse. Attendez. Je vais y arriver. Que je remette genre une caisse ici. Et que je mette une table là et que je monte comme ça, non? Ça doit être un délire comme ça, non? Non, c'est pas ça? Attention à ce qu'on fait là quand même. Oui, aïe, aïe. Tiens, ça me rappelle que l'autre jour j'ai cassé un pot. Oh, le général Dex a entendu ça. Il est arrivé en courant. Même pas, j'ai paniqué, j'ai jeté un autre pot plus loin. Résultat, le général est parti dans la direction du bruit, il m'a même pas vu. Le général Dex n'est pas toujours très futé. Toc, 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 toc. Ok. On va mémoriser le pot. Merde. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Je pensais pas qu'il m'avait vu, moi! Oh les bâtards, pardon. Ils m'ont remis là. Moi, je vais faire des cuts, hein, évidemment. Hein. Allez, et top! On en est rendu au même endroit, du coup. Voilà. C'est donc ça qu'il fallait faire. Allez vite. Je suis désolé, je disais plus rien, j'étais concentré. Parce que je suis tellement nul sur tous les trucs d'infiltration que je me dis, si je me concentre pas un peu, on va jamais s'en sortir. Votre Altesse. Déesse Walloué, vous êtes saine et sauve. Rassurez-moi, vous n'êtes pas blessé. Mais qu'est-ce qui a bien passé par la tête de Sa Majesté? Qui pourrait croire que vous avez ouvert cette faille? C'est parfaitement ridicule. Quoi, le roi, le général, le ministre sont tous des imposteurs, mais vous avez reçu l'aide du seigneur Tri et de son sceptre. Ma foi, voilà au moins une bonne nouvelle. Tu maîtrises bien le pouvoir du sceptre, Zelda. Votre Altesse, où est le seigneur Tri en ce moment? Je ne le vois pas, n'est-il pas avec vous?
Non, visiblement, mamie, elle voit pas. Je crois que personne d'autre que toi ne peut me voir, Zelda. Le monde est décidément plein de mystères. En tout cas, quoi qu'il arrive, je serai toujours de votre côté, Votre Altesse. Et puisque Sa Majesté envisage de vous faire exécuter, vous devez fuir le château au plus vite. La tenue que vous portez risque d'attirer l'attention. Je vous ai apporté de quoi vous changer. Eh ouais, bonne idée. Que vois-je dépasser de votre poche? C'est la capuche que portaient les péistes qui est venue à votre secours. Elle semble à votre taille. Vous allez pouvoir vous en servir pour dissimuler votre visage. Hâtez-vous avant que quelqu'un n'arrive. Eh oui, depuis le début, je le dis. Oh, elle va se cacher derrière le truc et tout. Toujours plein de petites animations et tout, c'est rigolo. Vous avez obtenu la tenue incognito. En plus d'être un bon déguisement, elle n'entrave pas les mouvements et il s'en dégage une odeur de vieille armoire. Appuyez sur R pour faire un rapide tour sur vous-même. Son Altesse a disparu, retrouvez-la. C'est vrai que nous avons de la compagnie. Laisse-moi m'en charger. Dame Impa, qui est avec vous? Est-ce que ce serait son Altesse? Si c'est bien elle, il vous faut nous la remettre sur le champ. Vous la remettre? J'ai bien peur de ne pas pouvoir accéder à votre requête. Oh la vache! Mais rigole pas, mamie! Votre Altesse, prenez ceci. Le journal. Un carnet qu'Impa vous a remis, une carte est glissée entre ses pages. Rendez-vous à la maison marquée d'un rond jaune, du coup. Dites que vous venez de ma part, elle vous viendra en aide. Ok. Continuez tout droit, vous trouverez un passage qui vous conduira hors du château. Fuyez par là. Allez, on va essayer de sortir de ce château. On va mémoriser tout ça. En fait, ça va être un peu ça, je pense, la base du gameplay, hein. À mon avis. On est d'accord que Zelda, elle prendra pas une épée pour se battre, ou... C'est bon, j'ai trouvé en fait. C'était un peu con, j'avais pas vu l'échelle là. Faut qu'on essaye de sortir de ce château parce que là on est à 35 minutes de vidéo déjà. On va mémoriser le lit. Pour l'instant, je sais pas à quoi ça va servir, mais bon. Se reposer, ok. Je suis pas sûr que là ce soit ça qu'il faille faire, mais là il y a encore. Je fais comme ça. Bon. Voilà, faut réussir à les mettre sur le bord là. Allez, ouais, genre comme ça. Hop là, voilà. J'ai réussi. Hop, ouais, bah c'est ce que j'arrête pas de faire, de faire des pirouettes, comme ils disent. Allez, faut qu'on descende là-dedans, je suppose. Mais non, mais quel con. On avait obtenu un rubis. Allez, on y va.
On essaye quand même de sortir de là. Là, il y a plusieurs chemins, donc... Ah non, c'est juste pour remonter ça, d'accord. J'ai rien dit. Alors, on va prendre des caisses et puis on va voir. Et voilà, ça marche. Qu'est-ce que j'ai? Ah, je suis con. Le rocher, bien sûr, le rocher coco. De toute façon, je ferai des cuts, hein, parce que la vidéo est super longue, là. Une autre faille. Parfois, les failles s'ouvrent et engloutissent des choses et des gens. Ce n'est pas nouveau. Notre travail, à mes camarades et moi... consiste à les refermer. Excusez-moi, je regarde l'heure en même temps parce que c'est vrai que je suis à 48 minutes, mais bon, j'ai des choses à faire après quand même, j'ai des obligations. Éloignons-nous pour le moment. Bah ouais. Oh putain. On va plonger, hein. On va suivre le courant, on n'a pas trop de choix, hein. Là, pendant 2 secondes, je me suis dit, s'il faut que je choisisse le bon objet pour plonger, enfin, pour faire apparaître, pour sauter, pour tout ça, en même temps que j'ai la faille qui me suit, je suis dans la merde. Avec la fatigue, mon cerveau, il fera jamais tout ça, là. Tu es réveillé? Allons-y. Je pense qu'on va... On va surtout bientôt s'arrêter parce qu'on arrive bientôt à 45 minutes. Après, avec les cuts, ça va durer moins longtemps pour vous, mais... On va sortir du château, en gros, et puis... On va s'arrêter, hein. Où sommes-nous? On peut peut-être le savoir en regardant ce que la dame t'a donné tout à l'heure. Ok. Ouvrons la carte, ouais. Des petits blobs. Est-ce que tu sais te battre contre des monstres? Bah, je suis pas sûr, mais en tout cas, pas comme mamie tout à l'heure. J'ai pas l'impression qu'elle sache vraiment se battre contre des monstres là, mais bon. Du coup, on va continuer de faire apparaître des trucs, hein. C'est bien parce qu'on peut nager, on peut plonger. On peut faire apparaître des tables au milieu de l'eau aussi. Rubis bleu. Ouais, regardez aux alentours, c'est bien ça, tu me l'as déjà dit mon gars. Le pont est cassé.
pourra en construire un autre, c'est pas grave. Elle est balèze hein, quand même. Hein. Ouais, attendez. On peut mémoriser les boules piquantes. Enfin, les oursins, oui. Ok. Allons-y. Chaque fois, je vous dis on va s'arrêter, puis je continue. La vidéo va être ultra longue. Comment, mais là, à un moment donné... Ah oui, il faut que j'arrive à péter ça. Je suis désolé, mais là... Non, c'est pas ça. Attends. Faut que je recommence, hein. C'est important de récupérer ça. Et ça, quand vous en avez assez, vous gagnez un cœur. Pour ceux qui... serait pas encore très familier avec Zelda. Ah, vas-y, viens. Fais le malin. En gros, c'est comme ça qu'on va se battre. Et voilà. On arrive sur la prairie, on va pouvoir s'arrêter. Salut les gars. Essaie de toucher ça. Les balises ont été enregistrées, vous pouvez vous téléporter depuis la carte. Ok. Ok, on touche les balises. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. La vidéo est bien assez longue. Comme ça. Je pense que je vous en ai montré assez. Maintenant, vous avez le principe, un peu de gameplay et tout. À vous de voir si ça vous intéresse. Moi, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Salut à toutes et à tous.